Bonsoir, bonsoir, euh, bienvenue dans votre émission Il est minuit. Il est euh, 20h57 heure locale et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur Père, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Papa. Merci pour euh, ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité. Merci pour, euh, Seigneur, ta force. Tu es le, le Dieu qui combat pour tes enfants le Dieu qui soutient son peuple. Nous voulons être reconnaissants vis-à-vis -vis de ton amour, vis-à-vis -vis de ta personne. Yeshua, notre Maître, notre Dieu. Conduis-nous dans tout ce que nous allons partager ce soir. Prends toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous effacer afin que toi seul soit vu. Que cette parole soit pour t'élever toi et toi seul. Seigneur, nous te prions. Amen. Voilà, nous sommes dans. Nous allons rapidement prendre 1 Jean chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 18, 17. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18 pardon. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de, de nous, ou encore, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mais vous avez été un par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez point la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà, donc Jean, qui écrit cette épître, était, comme vous le savez, le bien-aimé du Seigneur. C'était un vieillard. Qui va écrire cette lettre vers 85, donc dans les années 85 après Jésus-Christ? Il était un homme très, très mûr sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan humain. Et il parle à ses petits-enfants. Et il le dit Petits-enfants, mes petits-enfants. Et euh, donc, c'était un grand-père en esprit et dans la chair. C'était un père qui s'adressait ici à ses enfants et il les mettait en garde. Et il dit que c'est la dernière heure. C'est-à-dire, et euh, Jean était conscient que déjà à son époque, au premier siècle, à la naissance de l'Église même, jean était conscient que c'était déjà la dernière heure et ce qui confirme que c'était la dernière heure selon jean ici c'était n'est-ce pas la prolifération le réveil des antichrists qui doivent précéder l'antichrist donc avant l'avènement parce qu'il y a deux avènements celui de l'antichrist et celui du seigneur et les Écritures nous apprennent qu'avant l'avènement du Seigneur, il faut d'abord que l'Antichrist soit, n'est-ce pas, vu, soit révélé, selon Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit qu'il faut, faut que la poste soit arrivée auparavant et qu'on ait vu euh, l'homme du péché, le fils de la perdition, n'est-ce pas, celui qui s'oppose contre tout ce qui, était, tout ce qui est nommé Dieu. Et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Mais notre enseignement de ce soir ne concerne pas cette, ce personnage, donc l'Antichrist, mais plutôt les Antichrists. Donc au pluriel. Jean nous dit que le fait qu'il y ait des Antichrists était, n'est-ce pas, c'était euh, prouver que c'était la dernière heure. Le fait qu'il y ait des Antichrists était la preuve que la dernière heure était là, que le dernier temps étaient là, étaient là, euh, était là, que c'était vraiment la fin euh, d'un système. Parce que quand les Écritures parlent de la fin de temps ou de la fin du monde, elles ne font pas allusion à la destruction physique de la terre et du ciel d'à présent, mais elles font allusion à la fin de la zizanie, de la confusion et, euh, et tout ça. Et... Jean nous enseigne ici que le dernier temps, ou les derniers temps, au pluriel, n'est-ce pas, euh, correspondent à la présence des antichrists dans le monde. Alors il y a un détail qu'il a donné ici, qui est très important pour nous chrétiens, c'est que ces antichrists-là ont pris naissance dans les églises du Seigneur. Et ça, c'est terrible. C'est quand même terrible. Et Jean dit bien ici que ces antichrists étaient sortis de chez eux. C'est-à-dire, ils étaient avec l'Église véritable. Ils ont été, euh, comment dire, ils ont pris naissance au sein de l'Église véritable. Et ils en sont sortis. C'est quand même terrible. Et c'est là que la séduction devient dangereuse. Parce que ces antichrists, je me répète, ont pris naissance dans l'Église véritable, connaissent parfaitement les chrétiens, connaissent aussi la doctrine véhiculée par les chrétiens, la vraie doctrine l'enseignement véritable. Ils savent comment les chrétiens peuvent être manipulés à cause de leur de l'amour qu'ils ont pour les âmes. Ils savent comment ils peuvent profiter de l'hospitalité des chrétiens. Ils savent comment ils peuvent profiter de la charité des chrétiens. Donc ils connaissent les chrétiens. Parce qu'ils sont ils ont pris naissance parmi les chrétiens. Ils ont adopté un langage chrétien. Ils ont adhéré au mouvement chrétien. Ils sont nés dans ce mouvement. Et ils savent comment parler comme des chrétiens. Comment parfois s'habiller comme des chrétiens. Et c'est là que ça peut faire mal. Et c'est là que nous avons besoin, mes amis, de plus en plus de discernement. Et Jean, l'apôtre, l'apôtre de l'agneau, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a côtoyé Jésus-Christ de Nazareth. C'est quelqu'un qui posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. C'est quelqu'un quand même qui a parlé particulièrement du Seigneur, de l'amour du Seigneur. Il a écrit plusieurs livres. Il a écrit l'Évangile de Jean. Il a écrit l'épître de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse. Il a écrit, n'est-ce pas, par l'esprit de Dieu cinq livres. Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse. Cinq livres. Et les écritures nous disent que c'était le disciple que Jésus aimait. Donc il connaissait mes amis, euh, l'intimité du Seigneur. Et vous remarquerez également qu'il est le seul, le seul à avoir utilisé, n'est-ce pas, et, euh, le, le, le mot antichrist. Donc c'est quand même pas, c'est quand même pas euh, un hasard hein, si le Seigneur a permis que ce soit le disciple euh, euh, de l'amour, le disciple qui était le plus proche de lui, parle, n'est-ce pas, de l'antichrist. Et Jean dira que, et euh, vous avez appris que l'antichrist viendra, c'est-à-dire l'homme du péché, le futur dictateur du monde, le futur gouverneur de, de la terre. Mais il dit, il y a maintenant, c'est-à-dire à son époque déjà, il y a 2000 ans, il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Maintenant, donc il y a 2000 ans déjà, Jean, Jean disait que les antichrists étaient là. Et c'est par là, dit-il, que nous connaissons que c'est la dernière heure. Et il dit plus loin, ces antichrists sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils étaient là comme s'ils si faisaient partie de l'Église véritable. Mais ils n'étaient pas membres de l'Église véritable. Parce que s'ils étaient de l'Église véritable, ils seraient demeurés, restés dans la doctrine de Christ. Quand Jean dit qu'il serait resté avec nous, il ne parle pas forcément d'un endroit géographiquement parlant. Il ne parle pas d'un de de, de, lieu bien spécifique. Il parle de la doctrine. Il serait resté avec nous sur le plan doctrinal. Comprenez ce langage-là. Parce qu'ici, il n'est pas question, j'insiste encore, d'un lieu géographique. C'est comme si Jean, beaucoup pensent que c'est comme si Jean disait Eh bien, nous, on était par exemple à, 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 à Jérusalem, ils auraient dû rester avec nous à Jérusalem, tout ça. Non, Jean n'avait pas une vision sectaire. Jean ici parle de la doctrine, et vous allez le voir, de la doctrine. Donc quand il dit qu'ils ne sont pas restés avec nous, il parle de la doctrine parce qu'on peut ne pas être tous au même endroit géographiquement parlant, on peut être, mes amis, loin les uns des autres et être unis en esprit par la parole, n'est-ce pas, à laquelle nous avons adhéré, la parole véritable, la doctrine de Christ. Parce que l'Église du Seigneur est composée de toutes les personnes issues des nations vivant à des époques différentes les unes des autres, vivant à des pays différents les uns des autres, mais unis, n'est-ce pas, euh, euh, par le lien d'amour, le lien de l'amour, le lien de la paix, et euh, par la doctrine de Christ. Donc, il est question de la doctrine. Donc, ces antichrists-là, au début, comme je vous l'ai dit, comme Jean le dit, ils ont pris naissance parmi les chrétiens au sein de l'Église véritable, et ils se sont fait passer pour des chrétiens. Et quelques temps après, ils ont commencé à changer le message évangélique. Donc, ils ne sont pas restés avec l'évangile véritable. Ils ont changé de message pour prêcher un autre évangile, un autre Christ et un autre Esprit. Et c'est pour cela que Jean dit qu'ils ne sont pas restés avec eux. Et plus loin, il dira, n'est-ce pas On va descendre au verset 23, euh, euh, 24, 22, pardon. Qui est le menteur Donc ces antichristes sont des menteurs. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Voilà, ça commence là. Donc voyez bien que Jean parle de la doctrine. Il ne parle pas de la séparation physique. Il parle de la doctrine. Donc c'est les gens qui nient que Jésus est le Christ. Donc, on va l'expliquer euh, tout à l'heure. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc, ça veut dire quoi Écoutez bien. Celui qui nie que Jésus euh, 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 est le, le Messie, forcément, il nie la paternité du Messie. Vous allez le voir. Regardez, on va relire le verset 22. Vous allez comprendre quelque chose. Qui est le menteur Sinon, celui qui nie que Jésus est le Messie. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc, celui qui nie le Père et le Fils, c'est celui qui nie automatiquement que Yeshua, que Jésus est hein, le Messie. Ça va ensemble. Ça va ensemble. On va le voir. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Parce qu'on ne peut pas dissocier le Fils du Père. Non, parce qu'il n'y a pas deux personnes distinctes. Or, les Antichrists aussi le Fils du Père. Parce que sur le trône au ciel, il n'y a pas deux êtres. Il n'y a aucun verset qui nous dit qu'il y a deux êtres assis sur le trône. Ou trois êtres, hein, en parlant de Trinitaire, de la Trinité, qui est une doctrine bien sûr démoniaque. Vous voyez Donc, le Fils et le Père sont des, ce sont des fonctions. Ce sont des modes de révélation, n'est-ce hein, pas De manifestation. Parce que. Euh, euh, il n'y euh, a qu'un y y seul, qu seul Dieu. Il n'y en a pas deux ou trois. Donc, les antichrists, à l'époque de Jean, niaient euh, euh, l'incarnation de Jésus-Christ, le Dieu véritable. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Parce que ceux qui niaient, ceux qui niaient euh, la messianité de Jésus-Christ, de Jésus, remettaient forcément en cause sa divinité. C'est ça le problème. Pourquoi Parce que les Écritures nous disent que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Ce Dieu-là s'appelle Jésus. Donc, nier cela, ceux qui nient cela, automatiquement deviennent antichrist. Donc, contre le Messie. C'est ça la définition du mot antichrist. Être contre le Messie. Or, le Messie, c'est qui il y en a eu plusieurs dans les Écritures. Toutes les personnes ointes dans les Écritures étaient des messies. Les Écritures le disent, ce n'est pas moi. Par exemple, euh, Saül était un messie. David était un messie. Et euh, Cyrus, dans Ésaïe 45, 1 à 2, est présenté par Dieu lui-même comme étant son messie. C'est-à-dire des personnes qui étaient ointes. Et. Euh, et vous savez, l'huile est capable même de s'infiltrer, de, 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 même dans la pierre. L'huile s'infiltre dans la pierre. Si vous prenez une pierre, vous euh, euh, l'éloignez la... tout ça, là, vous allez voir que l'huile va pénétrer jusqu'au milieu, jusqu'au fond de la pierre, jusqu'au centre. Donc l'huile a cette capacité-là de percer. De pénétrer même la pierre, même les pierres. Donc, vous voyez bien que, mes amis, euh, euh, le, euh, il y a eu plusieurs Messies, mais il y a euh, euh, ces Messies tels que David, Cyrus, préfiguré annoncé l'avènement du Messie des Messies, c'est-à-dire Dieu lui-même, parce que les Écritures nous disent que Jésus-Christ a l'esprit sa mesure. Il a l'esprit, le reçu reçu l'esprit, sa mesure. Seul Dieu n'a pas de mesure. Donc Yeshua est le Messie de Messie. Et certains Messies, tels que Cyrus, étaient aussi rois, comme Saül, comme David. Et euh, les grands prêtres aussi étaient oints, C'était des Messies, comme Aaron. Et Yeshua est le Messie, je ne dirais pas un Messie, mais le Messie euh, de Messie. Très différent des autres Messies. Pourquoi Parce qu'il est à la fois roi, pas seulement roi, mais le roi des rois. Apocalypse 19, 12 à 13 nous le dit. Sur sa cuisse est écrit un nom roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il est différent des autres Messies parce qu'il est le roi des rois. Donc il n'y a pas un autre roi qui soit au-dessus de lui. Il n'y a pas un autre Messie au-dessus de lui. Il n'est pas seulement roi, mais il est également, n'est-ce pas et euh, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, donc il est différent. Or, un antichrist, c'est quelqu'un qui va nier la divinité de Jésus-Christ. Ça commence par là. Sa divinité. C'est-à-dire le fait que Jésus-Christ n'a pas d'égal, n'a pas... Il euh, n'y a pas un autre Dieu qui soit plus fort, plus grand que lui. Non. Pas du tout. Comprenez cela. Donc, les trinitaires sont des antichrists. Ils sont contre. Il y en a qui, le, ils sont, il y en a qui sont antichrists à l'heure insu. C'est-à-dire parce qu'ils ont reçu une fausse doctrine. Et le jour où Dieu va les, éclair, les éclairer, ils vont sortir de là pour embrasser la vraie parole. D'autres, ils sont antichrists de manière consciente. Et ici, là, mes amis, là. Il est question de la doctrine. Donc, Jean dit bien que celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc, vous voyez bien que le euh, Père et Fils, là, mes amis, euh, sont intrinsèquement liés. On ne peut pas les dissocier pour créer euh, un, un deuxième Dieu, c'est-à-dire le Fils qui serait inférieur au, au Père, soi-disant, selon la doctrine de la Trinité. Et ça, c'est carrément euh, une doctrine complètement charnelle et d'origine égyptienne, babylonienne également. Donc, d'origine mystique, satanique, diabolique. Donc, voyez bien que quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc, c'est clair. Celui qui nie, qui refuse Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas non plus le Père. Parce que c'est le même être. Jésus-Christ a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Il y a si longtemps, disait-il à Philippe que je suis avec vous, tu ne m'as pas, m'as pas connu. Donc, c'est clair, le Seigneur l'a proclamé. Et euh, il a proclamé sa paternité. Il y a plein d'autres versets qui le confirment. Alors, et Jean dit au verset 23, quiconque nie le fils n'a pas non plus le père. Quiconque confesse le fils a aussi le père. Donc, les, les deux fonctions, mes amis, sont remplies par le même être, le Dieu Tout-Puissant. Il est à la fois l'époux à la fois le Seigneur à la fois le Dieu de Dieu à la fois le roi des rois il est à la fois le chemin le pain de vie à la fois l'eau de vie à la fois le feu dévorant il est tout il est tout il est le lion de Judas, l'agneau de Dieu il est tout donc voyez bien que ce sont des fonctions il exerce plusieurs fonctions et Jean ici dit clairement que c'est celui qui nie le Fils n'a pas le, non plus le Père voyez et ça va ensemble et Jésus dit Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le, le Fils si ce n'est le Père. Et il dit que c'est le Fils qui révèle le Père. Donc vous voyez bien que le Dieu que personne n'avait jamais vu est venu en chair en la personne de Yeshua, le Mashiach, pour se révéler à ses enfants. Devant la foule, il parlait en parabole et dans le secret, dans les coulisses, il parler ouvertement à ses disciples. Et même Pierre dira, Seigneur, tu sais toutes choses. Il le dit, Pierre, il a dit, tu sais toutes choses. Et là, Pierre a reconnu la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. 100% homme et 100% Dieu. Et là, il dit, euh, Jean toujours, et, euh, et euh, que antichrist, les antichristes nient, n'est-ce pas euh, 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 le Père ni le Fils. Et il dit également, mes amis, que en fait, ces gens qui étaient parmi eux faisaient semblant, bien sûr, de croire en, ce, en, en cette doctrine, hein, c'est-à-dire la doctrine de Christ, et à un moment donné, eh bien, ils se sont éloignés doctrinalement. Et leur véritable identité a été révélée. Allons voir toujours dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset à partir du verset 1. Les écritures nous disent bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Donc Jean parlait bien sûr de l'esprit d'antichrist, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc ces Antichrists sont des faux prophètes. Voilà. Ce sont des faux prophètes, ils sont contre Christ et ce sont des esprits. Donc, à la fois des démons et des esprits humains. Donc, c'est d'abord des hommes habités par des démons bien sûr, qui enseignent des doctrines inspirées par des démons. Reconnaissez à cette marque l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Waouh. Donc, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Donc si Jésus-Christ est venu en chair, c'est avant d'être en chair, il était esprit. Ben oui, forcément. Il était esprit. Et il dit au verset 3, et tout esprit qui ne confesse point que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc Jean confirme encore ici que l'esprit d'Antichrist est déjà dans le monde depuis des années. Cet esprit était déjà à l'œuvre 2000 ans avant, c'est-à-dire à la naissance de l'Église. C'est terrible, hein? C'est terrible. Voyez? Et, euh, et il dit Mes petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde et le monde les écoute. C'est normal, ces antichrists sont écoutés par le monde. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute point. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'erreur ou encore séduction, égarément. Donc, l'apôtre Jean nous fait comprendre qu'il existe seulement deux esprits l'esprit de Dieu ou l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, et l'esprit de l'égarement, ou l'esprit de l'erreur. Vous voyez Donc, les antichrists sont dirigés, possédés, conduits par l'esprit de l'erreur. Ils s'égarent de la doctrine et ils égarent des milliers de personnes. Voilà. Et Jean dit, ils sont du monde. Et les enfants de Dieu les ont vaincus avec la parole, bien sûr. Vous voyez Et euh, ils sont du monde, ils parlent comme étant du monde. Mais bien évidemment, parce que quand euh, ces hommes vont enseigner la Trinité, quand ils vont dire que Dieu est une personne, euh, Dieu est composé de trois personnes distinctes la personne du Père d'un côté, la personne du Fils de l'autre et la personne du Saint-Esprit euh, pareil de son, de son côté. Et, euh, et ces trois personnes sont co-créatrices, co-éternelles. Et. Euh, et euh, elles sont différentes les unes des autres, mais quelle confusion Et on retrouve cette, cette, cette doctrine chez les hindous avec Brahma, le dieu principal, euh, Krishna euh, et Vishnu. Voyez, on retrouve cela chez les Égyptiens, comme vous le savez, avec euh, euh, Isis, Osiris et, et euh, Horus. Et on retrouve cela dans d'autres pays. Hein, cette triade à chaque fois. Et, euh, vous voyez bien que c'est un discours qui colle, cadre, hein, qui va de pair avec les enseignements d'autres religions. Et c'est pour cela que Jean dit, ils sont du monde, ils parlent comme, du monde, comme les gens du monde et le monde les écoute. Mais quand on vérifie dans les Écritures, nous ne voyons nulle part cette euh, soi-disant révélation de Dieu et qui n'en est pas une parce que la Trinité pour les Trinitaires est un mystère, alors que le dernier livre de la Bible a pour titre la révélation. Donc, Dieu s'est révélé. Voilà. Le Seigneur a dit aux apôtres, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais aux autres, je leur parle en parabole, il ne leur a pas été donné de le connaître. Donc, vous voyez bien que les enfants de Dieu ont reçu la révélation dans la Bible, ont reçu l'illumination sur le véritable Dieu. Et rappelez-vous bien que, ici, j'en dis que les antichristes, ni que Jésus-Christ est venu en chair. Qu'est-ce que Jean voulait dire par là Allons voir dans Jean 1.1. 1. Jean chapitre 1, verset 1. Il dit que Jésus-Christ est venu en chair. Allons vérifier. Au commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière La lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point saisi. Et cette lumière était la véritable lumière. Donc il n'y en a qu'une de lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. On parle de la lumière qui a... Qui est la véritable lumière, qui a créé toutes choses. Et cette lumière-là nous dit, Jean est venu dans le monde. Est venu dans le monde. Rappelez-vous bien, la lumière est venue dans le monde. Allons voir. Plus loin. Jean toujours. Le verset 14. Maintenant. Jean 1, un, non, Jean chapitre 1. C'est pas un Jean, c'est Jean, chapitre 1, le verset 14. On va descendre. Là, on va descendre. Voilà. Et la parole est devenue chair. La parole est devenue chair. Donc vous voyez bien que cette parole-là, elle était lumière. Elle est lumière. Elle était esprit. N'est-ce pas Et cette parole est devenue chair. On nous dit que Dieu est la parole. Donc la parole est devenue chair. Donc c'est Dieu qui est devenu chair. C'est ça la doctrine. L'incarnation du Messie. La parole est devenue chère et elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Allons voir maintenant la lumière qui est venue dans le monde, dans 1 Jean chapitre 2, chapitre 1 pardon. 1 Jean chapitre 1. Allons voir le verset premier. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux. Ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Donc on nous dit que c'est la vie qui a été manifestée. Or, il n'y a pas deux vies éternelles, il n'y en a qu'une. Et ici, il est question de la vie éternelle. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui a été tournée vers le Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, dis-je, et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. On continue au verset 5. Et voici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons à savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, cette lumière de Jean, dans Jean 1 là-bas qui est venue dans le monde, c'est Dieu lui-même et Jean nous dit ici que Dieu est lumière. Voyez, Dieu est lumière. Regardez le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Voyez. Donc, vous voyez bien que c'est la lumière qui s'est manifestée. Et nous sommes dans le livre de 1 Timothée 3:16. Paul nous dit ceci, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde. Et élevé dans la gloire. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Vous voyez C'est Dieu qui a été manifesté en chair. Et c'est ça, la, la messianité de Yeshua. C'est-à-dire le Messie que nous prêchons. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair. Voilà la vérité. Et Jean s'est aperçu, hein, il y a 2000 ans, que certains chrétiens, soi-disant, qui s'étaient détachés de cette doctrine sur la divinité de Jésus-Christ, commençaient à dire que Jésus-Christ n'était pas du tout le Dieu Tout-Puissant. Et qui étaient ces antichrists selon l'histoire En fait, à l'époque de Jean, il y avait... Euh, une doctrine qu'on appelait la gnose. La gnose, l'agnostique enseignait que euh, Jésus-Christ était un de euh, maîtres parmi tant d'autres. Et il disait également qu'entre Dieu et les humains, il y a une multitude de créatures qui sont et euh, comme des maîtres, des guides. Et parmi ces créatures, selon l'agnostique, il, il y a Jésus-Christ. Et c'est cette doctrine-là qui commençait à, se, à, à circuler à l'époque. Et c'est Gnostique hein, qui enseignent la gnose, la connaissance euh, bien sûr initiatique, réservée aux initiés. Hein. Et euh, ces gnostiques, ces anoxiques, pardon, disaient et, et, euh, euh, que, euh, que Jésus-Christ n'était pas le Dieu tout-puissant, qu'il était inférieur à Dieu, et qu'il avait plus. Plein, il y avait plein d'autres messagers comme lui. Et euh, d'ailleurs, les témoins de Jéhovah le disent aussi, en disant que Jésus-Christ est l'ange la, Michael, donc faisant de, de lui une créature, alors que les Écritures présentent Yeshua comme étant le créateur de toutes choses. Rien et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, sans, 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 la, sans le Seigneur Yeshua, sans la parole. Donc si Jésus-Christ est une créature, Jean 1,3 poserait un problème parce qu'on nous dit que. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Donc euh, vous allez me dire qu'il s'est créé lui-même, ça pose un problème. Donc il est vraiment Yeshua est vraiment le créateur. Voilà. Donc et dans le dans 1 Timothée 4:1, toujours on descend, Paul dit "Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au, au fer rouge. Vous voyez Et euh, donc Paul dit clairement que ce sont des esprits séducteurs, ce sont des doctrines des démons véhiculées par des faux docteurs. Ces antichrists sont bien sûr possédés par des démons et ils véhiculent un, des doctrines des démons. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc la Trinité est une doctrine démoniaque. Ceux qui refusent la paternité de Jésus-Christ sont bien sûr possédé par les démons. Ce n'est pas moi. Voilà. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est le Tout-Puissant, est... on ne peut pas le comparer à quelqu'un. Dieu dans Esaïe disait qu'il ne donne sa gloire à personne. Donc Yeshua a été adoré, Jésus est proclamé tous les jours. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que quand il est ressuscité, plus de, plus de 500 frères l'ont vu au même moment. Nous sommes à Paris. On invoque Jésus-Christ ici à, à quelle heure Ici à 20h, 21h30 euh, et euh, 33. Eh ben, et euh, ailleurs, au même, à la même heure, les gens invoquent Jésus-Christ aux États-Unis, au Canada, en Australie, et au même moment, ils se manifestent. il se manifeste. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Jésus-Christ est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, il est le Dieu tout-puissant, Frère, Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez bien que Paul dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, se détourneront de la foi. Ce sont ces Antichrists-là. Donc quand Jean dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, ils sont sortis de chez nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Donc ce n'est pas rester avec nous sur le plan géographique, dans une même ville, non, ou dans un même pays. C'est rester avec nous sur le plan doctrinal. Et C'est pour cela Paul dit ici qu'ils vont, ils ont abandonné la foi ou encore ils se sont détournés de la foi. Donc il est question de l'abandon de la foi, la vérité. Voyez frères et sœurs, ceux qui enseignent aujourd'hui mes amis que l'on peut et, et comment dire en tant que chrétien si on donne pas l'argent un pasteur on va pas être béni, qu'en tant que chrétien si on ne paye pas la dîme on va pas être béni. En tant que chrétien il faut s'agenouiller devant les hommes, il faut élever les hommes, adorer les hommes. Ça ce sont des antichrists. Ils sont contre Christ. Ils ont pris la, glo la gloire de Dieu pour eux. Ceux qui vont, mes amis, euh, et, euh, accepter qu'on chante pour eux parmi les pasteurs, ceux qui vont accepter qu'on touche leurs vêtements pour avoir l'onction, pareil, tous ces gens-là, sont, ce sont des antichrists. Ils ont pris la gloire de Dieu. Ils se sont, mes amis, euh, accaparés de la gloire du Seigneur. Et Paul nous dit dans Romains 1 que ils ont préféré le mensonge à la vérité. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont préféré le mensonge à la vérité. Voyez Et la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes toute leur, tout, et toute leur injustice qui retiennent la vérité captive. Voilà. Donc, euh, et ils ont préféré servir et adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. Et c'est ce qui se passe malheureusement ici, euh, dans ce temps de la fin, où des hommes sont adorés, où il y a le culte de la personnalité, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux, tout ça, où des gens se présentent, comme des, se présentent aux hommes comme des sauveurs, c'est grave, l'heure est grave. Les antichrists, il y en a partout, il y en a plein. C'est à la fois des individus et des systèmes mis en place pour étouffer la vérité, pour combattre la vérité. Et ces antichrists vont se liguer les uns avec les autres. Bien que n'ayant bien que pas, euh, pas les mêmes intérêts, hein, parce qu'il y en a, ils veulent la, les femmes, d'autres l'argent, d'autres le, le succès personnel, et ils vont s'associer avec les impies, hein, avec d'autres impies, et euh, tout ça. En fait, ces antichristes représentent l'ivraie. L'ivraie ressemble, mes amis, euh, et, euh, terriblement au blé. Mais c'est à la, à, la, à la maturation des fruits que la différence se fait. Parce que les fruits de livrés sont noirs, voyez, noirs. Donc, euh, et c'est là que la différence se fait, pardon. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 7 on le reconnaîtra à leurs fruits, et on voit leurs œuvres. On voit leurs fruits. Ils ne portent pas de bons fruits. Ils ne font pas une belle œuvre, si ce n'est que chanter partout, partout, partout. Mais quand on regarde dans leur propre vie, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Seigneur Qu'est-ce qu'ils portent comme fruits rien qu'est-ce que Dieu fait avec eux Rien. Il n'y a pas de fruits. Voilà. Donc, et euh, on le reconnaîtra hein, selon Matthieu 7 à leurs fruits. Effectivement, parce que le Seigneur savait que c'est à la maturation des fruits, c'est à la production des fruits que l'ivraie est révélée, que la vraie nature de l'ivraie est révélée. Ces chrétiens antichrist il y en a de plus en plus. Parmi eux, vous avez des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des diacres, des chantres, des docteurs, des enseignants. Ils ont des sites internet, ils ont des écoles soi-disant pour former les gens, ils ont des églises à diriger, ils ont des fédérations, il y en a plusieurs et partout. Eux-là, comme ils sont du monde, ils ne sont pas inquiétés par le monde. Vous voyez Parce qu'ils sont dans leur système mystique, soutenu par le monde, par Babylone, par la... C'est la femme assise sur la bête d'Apocalypse 17. Il n'y a pas de problème. Mais les vrais, la vraie Église, elle est persécutée, elle est rejetée traité de sorciers, gourous, faux prophètes, magiciens, tout ce que vous voulez. Donc, voyez mes amis, l'heure est grave et euh, l'heure est grave. Donc, ce sont des antichrists qui se sont éloignés de la doctrine. Et euh, Paul l'a dit clairement ici. Et, euh, et le Seigneur dit hein, on, on, le reconna, on, on le reconnaîtra à leurs fruits et euh, ils ne manifestent pas la sainteté réellement et euh, l'amour pour la vérité, l'amour pour les âmes et euh, tout ça, ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis -vis du Seigneur, vis-à-vis -vis des frères et sœurs qui les ont aidés. Ce sont des ingrats, comme Paul le dit dans 2 Timothée 3, hein, que les hommes seront ingrats. Et c'est exactement ce, euh, ce qui se passe. Donc Paul décrit dans 2 Timothée 3 les euh, caractéristiques des hommes euh, de la fin de temps, qui se disent chrétiens, qui ont, mes amis, l'apparence de la piété, mais qui ont renié. Ceux qui ont en fait la force, c'est-à-dire la sanctification, l'amour, l'humilité, la simplicité, la haine de la, de, de, du mensonge, la haine du péché. Et euh, voilà donc euh, l'enseignement qu'il faut retenir surtout, c'est que ces antichrists ont pris naissance au sein de l'Église naissante dans Acte 2. Paul en a parlé longuement. Il dit qu'ils vont de maison en maison pour s'accaparer des âmes. Hein? Ils vont de maison à maison s'asseoir chez des gens pour parler, raconter leurs histoires. Ils vont faire leur propre pub. Ils vont mettre leurs photographies partout. Regardez bien comment ils sont sur Facebook, sur Google+. Regardez sur les réseaux. Il y a des photos d'eux, de leurs femmes, leurs enfants. Mais ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Jean disait qu'ils croient ce que je diminue. ils ne sont pas effacés, ils ne s'effacent pas. Ils veulent être vus. Ils veulent que les frères et soeurs les voient, eux. Ils veulent attirer les âmes dans leur maison et non vers le Seigneur. Donc c'est un... Euh, mes amis, euh, un temps, nous sommes dans un temps très, très critique. Chacun doit se préparer, euh, mes amis, euh, euh, pour, pour le ciel. Voilà, donc, euh, euh, l'apôtre Jean nous a longuement, longuement avertis. Et, euh, et euh, nous devons nous préparer véritablement, car ça va de plus en plus être difficile. Les antichrists s'opposent à Christ. Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître que Yeshua est Dieu, mais c'est un antichrist. C'est clair Parce que les Écritures nous disent que Jésus-Christ est Dieu. Paul le dit. Regardez Romains chapitre, chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce que Paul dit On va lire à partir du verset 3. Car moi-même, je souhaiterais être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, les promesses et les pères, et de qui est sorti selon la chair, Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Paul dit que Jésus Christ est Dieu. C'est écrit. Voyez? C'est écrit. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Paul dit, un seul Dieu. Ici à TV de vie, à Radio de Vie aux documents sur nos sites respectifs, vous ne verrez pas, mes amis, euh, euh, vous ne verrez pas, euh, mes amis, euh, combattre euh, la doctrine de Christ. Pas du tout. Nous voulons que Christ seul, Yeshua, soit élevé. Nous sommes vos frères, nous sommes vos serviteurs, nous sommes à rien, nous sommes zéro, nous sommes rien sans Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous voulons que vous vous tourniez vers lui et lui seul. C'est ça, notre message. Le message le plus important de tv de vie, c'est la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Yeshua. C'est Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est lui qu'il faut invoquer. C'est à lui qu'il faut se référer. C'est à lui qu'il faut parler. C'est pour cela que nous ne voulons pas donner forcément nos coordonnées personnelles parce que nous ne sommes pas là pour que vous soyez focalisés sur nous. Nous voulons vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça notre message. Nous n'avons pas d'autre message. Et, et mes amis, Paul a présenté Christ. Paul disait qu'il n'avait pas honte de l'évangile de Christ. Ben oui, l'évangile, c'est Christ. L'évangile présente Christ. Mais si ce n'est pas lui le Père, ça pose un problème parce que les Écritures disent clairement que Christ est le centre des Écritures. Comment quelqu'un peut être le centre, l'objet principal des Écritures sans pour autant être le Dieu Tout-Puissant Ça poserait un problème avec les Écritures elles-mêmes parce que dans les Écritures, Dieu a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est clair. Il est le seul sauveur. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, le seul maître. Jésus, matin, Jésus à midi, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus la nuit, Jésus de Nazareth, c'est lui le Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom. Ce n'est pas, pas le nom de Shora. Ce n'est pas le nom de tel, un tel. Ce n'est pas le nom d'un quelconque apôtre, prophète. Pas du tout. Paul est catégorique. Christ est Dieu. Christ, Dieu s'est manifesté en chair. Voilà. Jude l'a dit. Regardez Jude, euh, mes amis. Euh, Tite 2, pardon. Tite 2, 13. Donc, plusieurs prophètes l'ont témoigné. Moi, je préfère croire euh, les prophètes bibliques plutôt que les pères de l'Église qui ont enseigné la doctrine de la Trinité. En attendant l'heureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et sauveur de nous tous, Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous. Vous voyez Donc, euh, il s'est donné lui-même. Vous voyez Donc, c'est quand même terrible. Donc, euh, et à, afin de nous arracher de toute iniquité et de nous purifier pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Donc, vous voyez bien que Jude dit clairement que Jésus est le grand Dieu. Mais c'est le grand Dieu c'est lui, Jésus. Voilà. Donc il n'y en a pas d'autres, mes amis, et c'est ce grand Dieu qui est devenu cher. D'ailleurs les écritures nous disent on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Vous voyez Donc vous remarquerez que quand l'ange a dit, quand Gabriel a dit à Marie que Yeshua allait être appelé Emmanuel, eh, mais cela n'a pas été fait humainement, je veux dire euh, charnellement et euh, on ne l'a pas appelé Emmanuel. Pourquoi Est-ce que l'ange s'est trompé Non, pas du tout. En fait, l'ange voulait dire à simplement Marie que cet enfant-là, c'est Emmanuel, c'est Dieu lui-même parmi les hommes. Dieu lui-même. Regardez Ésaïe 35. Ésaïe 35. Les Antichrists, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en aura encore plusieurs. Et euh, Voilà, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Verset 4 Prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Il viendra lui-même, lui-même. Ah bah ben oui frère, c'est ça Emmanuel. C'est lui Emmanuel. Il viendra lui-même, il va pas envoyer un ange. Il viendra lui-même. Il s'est donné lui-même. Voilà, alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe, car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le lieu solitaire. Donc voyez bien que c'est Dieu lui-même qui est venu. Voilà, Emmanuel, Yeshua, notre maître. Alors les antichrists, il y en aura plusieurs. Ils vont nous combattre parce que, comme ils sont contre le Messie que nous prêchons, Jésus, donc forcément, ils vont nous combattre. Ils vont nous insulter. Ils vont envoyer, ils vont vous combattre, vous les enfants de Dieu, envoyer des courriers partout pour vous insulter, aller de maison à maison pour vous insulter. C'est leur ministère. C'est normal parce que leur maître lui-même, Satan, est comme ça. On l'appelle l'adversaire. Donc, c'est normal qu'ils passent leur temps à combattre les enfants de Dieu, à vous insulter, à vous critiquer. Préparez-vous parce que ça va s'intensifier. Ça ne sera pas facile jusqu'au retour du Seigneur pour les enfants de Dieu. Chrétiens, que Dieu nous garde. Bonne continuation, bon courage. Je vous donne rendez-vous demain, 20h, heure de Paris, pour une nouvelle euh, soirée d'enseignement. Que Dieu vous garde. Merci, au revoir.